On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Désolé si la qualité elle est moins bonne. Je suis sur mon PC et pas sur ma tablette. Et on va parler du Paris Saint-Germain. Alors, le Paris Saint-Germain ont perdu 2-1 face à Dortmund. Un peu dégoûté, mais Paris, je crois en vous. Il faut qu'ils marquent un but chez eux. Ils sont qualifiés. Donc voilà. Et s'il y a 1-1, c'est Dortmund qui passe. Moi, je pensais que Paris allait gagner et ils étaient bons. C'est bizarre parce que Neymar, il pouvait jouer il y a une semaine face à... c'était qui leur dernier match? Ouais, bref. Il pouvait jouer tout rêve qu'il voulait, mais les médecins ont dit qu'il fallait pas parce que risque de blessure, donc ils l'ont laissé. Et donc Neymar, il a fait un match pas très bien. Il a marqué un but, mais c'est Mbappé qui lui fait un gros cadeau. Voilà. Ils ont pas joué en 4-4-2, ils ont joué en 3-4-3, donc c'est bizarre, je joue tout le temps en 4-4-2. Donc voilà, Paris Saint-Germain, il faut qu'ils marquent un but chez eux, ils sont qualifiés, j'y crois, et c'est comme s'ils sont en quart de finale, et ça fait 3 ans qu'ils sont pas là en quart de finale. Voilà, et on va Paris-Bordeaux, je tourne cette vidéo dimanche, quand ça sort là, logiquement ils vont faire un 4-4-2 avec les 4 offensifs, Neymar, Icardi, Mbappé, Di Maria. Je pense qu'il y aura 3-0 pour Paris. Voilà. Dimanche prochain il y aura une vidéo aussi, je vais en faire aussi dans la semaine. Voilà, et aussi suivez moi parce que bientôt je vais sortir une vidéo, ça va être trop lourd, sur des chaussures de foot. Voilà, devinez dans les commentaires ce que c'est comme chaussures de foot que j'ai eu. Voilà, je vous dis bisous, à la prochaine.